Cinquième chapitre. Nanda rencontre Vasudeva. Krishna était bel et bien le fils de Vasudeva et de Devaki, mais à cause des actes abominables de Kamsa, Vasudeva ne put prendre part à la cérémonie célébrant la naissance de son enfant. C'est donc Nanda Maharaj, le père adoptif de Krishna, qui procéda au rite d'un cœur joyeux. Le jour suivant, la nuit où Vasudeva échangeait les nouveau-nés, il fut connu qu'un fils était sorti du sein de Yashoda. Comme le veut la tradition védique, Nanda Maharaj demanda que des astrologues et des brahmanas érudits président la cérémonie de la naissance. Après avoir calculé l'instant de la naissance, les astrologues établirent un horoscope où s'inscrivait l'avenir de l'enfant. Les membres de la famille prirent un bain et s'embellirent de parures et de guirlandes. Tous enfin s'approchèrent de l'enfant et de l'astrologue pour entendre les prédictions. Ainsi, Nanda Maharaj et d'autres membres de la famille, joliment vêtus, s'assirent-ils devant la maison où était né l'enfant. Pendant le travail des astrologues, tous les brahmanas rassemblés pour l'occasion chantaient des mantras de bon augure, correspondant aux divers rites. Lors de ces rites, on offre également un culte aux devas ainsi qu'aux ancêtres de la famille. Nanda Maharaj distribua aux brahmanas 200 000 vaches, toutes ornées. Non content de ce don sacré, il distribua également des montagnes de céréales que décoraient parures et fines étoffes bordées d'or. Les hommes en ce monde possèdent à divers degrés fortune et richesse, mais comme le veut par nature l'esprit d'accumulation de biens, elles ne sont pas toujours acquises par des voies vertueuses. Voilà pourquoi les écrits védiques veulent que de telles richesses soient sanctifiées par des actes charitables envers les brahmanas, tels le don de l'or et des vaches. Un nouveau-né, par exemple, sera purifié par l'offrande de céréales aux brahmanas. Sachant que dans le monde matériel, tout être baigne constamment dans un milieu qui le contamine. Chacun doit donc purifier, sanctifier son existence matérielle, ses biens et sa personne. L'existence matérielle est purifiée par le bain, le nettoyage quotidien du corps, interne et externe, et par l'accomplissement des 10 rites purificatoires. Les austérités, l'adoration du Seigneur et les actes de charité sanctifient nos biens. Quant à notre personne même, elle sera purifiée par l'étude des Védas, par l'effort acharné pour atteindre la réalisation spirituelle et la compréhension de la vérité suprême et absolue. Les écrits védiques nous disent que chacun est né Shudra et qu'on ne peut devenir un deux fois né qu'en se pliant au rite purificatoire. L'étude des Védas donne accès à l'état de Vipra, qui permet ensuite de passer à celui de Brahmana. On appelle Brahmana celui qui saisit parfaitement la vérité absolue. Lorsque le Brahmana parvient à un degré plus haut encore de perfection, il devient un Vaishnava ou Bhakta. Lors des cérémonies pour la naissance de Krishna, les brahmanas réunis entonnèrent divers mantras védiques afin d'attirer sur l'enfant toute bonne fortune. Ces mantras sont de divers ordres, Sutta, Magadha, Vandi et Virudavali. Dehors, bugles et timbales soutenaient de leurs vibrations musicales le chant des mantras. On entendait leur sonorité joyeuse dans toutes les maisons, dans tous les pâturages. Au-dedans comme au-dehors, les demeures avaient été peintes à la pulpe de riz et avec grand talent de différents tableaux. On voyait partout répandue de l'eau parfumée, jusque sur les rues et les routes. Toits et plafonds étaient décorés d'étendards, de dés et de feuilles vertes. Les grilles des maisons étaient toutes tissées de feuillages et de fleurs.
On avait enduit toutes les vaches, les bœufs et les veaux d'un mélange d'huile et de curcuma. Tous étaient décorés de poudre d'oxyde rouge, d'argile jaune et de manganèse. On les avait tous parés de beaux vêtements aux couleurs vives, de guirlandes de plumes de paon et de colliers d'or. Quelle joie d'un coup chez les pâtres en extase lorsqu'ils surent que Nanda Maharaj célébrait la naissance de son fils. Tous se vêtirent d'habits fort coûteux, se parèrent de pendants d'oreilles et de colliers, se coiffèrent de grands turbans. Ainsi vêtus, splendides, ils se chargèrent de nombreux présents et se dirigèrent vers la maison de Nanda Maharaj. Dès qu'elles apprirent qu'un enfant était né de Yashoda, toutes les gopis furent inondées de joie et elles se vêtirent de leurs beaux et coûteux atours, se couvrirent de parures, s'enduisirent de baumes parfumés. De même que le pollen sur le lotus rehausse l'exquise beauté de la fleur, la poudre de kumkuma dont toutes les gopis avaient touché leur visage pareil au lotus rendrait plus visible encore leur beauté. Les belles gopis chargées de présents atteignirent bientôt la maison de Maharaj Nanda. Plus lentes à cause de leurs hanches larges et de leurs belles poitrines, les gopis, poussées par l'amour extatique de Krishna, marchaient pourtant avec grande hâte. À leurs oreilles, des anneaux de perles, à leur cou, des médaillons faits de joyaux, sur leurs lèvres, des rouges lumineux, sur leurs paupières, des fards, à leurs poignets, de beaux bracelets d'or. Avec hâte, elles marchaient sur la route empyrée et les guirlandes de fleurs tombaient de leur corps sur le sol. On aurait dit du ciel une pluie de fleurs. Dans le mouvement de la course, leurs diverses parures chatoyaient et elles en étaient plus belles. Ainsi parvinrent-elles à la maison de Nanda et de Yashoda où elles bénirent l'enfant. Ô aimé, puisses-tu pour nous protéger vivre longtemps? Au milieu de ces bénédictions, elles offraient à l'enfant Krishna une mixture de curcuma, d'huile, de yaourt, de lait et d'eau, avec quoi elles aspergèrent et le corps de l'enfant et celui des personnes présentes. Plusieurs groupes d'excellents musiciens jouaient pour célébrer l'heureux jour. Lorsque les pâtres virent les jeux des gopis, ils se sentirent fort en joie et y répandirent en lançant sur elles du yaourt, du lait, du ghee et de l'eau. Puis, pâtres et gopis se bombardèrent de beurre. Quel bonheur pour Nanda Maharaj d'assister aux jeux des pâtres et des gopis. Le cœur joyeux, il se mit à généreusement bénir par des actes charitables tous les chantres assemblés. Certains récitaient des versets célèbres des Upanishads et des Puranas, d'autres glorifiaient les ancêtres de la famille, d'autres encore chantaient de fort douces mélodies. Nombre de brahmanas érudits étaient aussi présents et Nanda Maharaj, fort heureux de la cérémonie, leur offrit en charité des vêtements et des parures, aussi des vaches. Remarquons à ce propos combien grande était la richesse des habitants de Vrindavan, qui n'avaient pourtant d'autres occupations que d'élever les vaches. Tous les pâtres appartenaient à la communauté Vaishya. Leur devoir était de protéger la vache et de cultiver les terres. À voir leurs vêtements et leurs parures, à considérer leurs actes, il s'avère que bien qu'habitant d'un petit village, ils possédaient de grandes richesses matérielles. Ils étaient si riches de lait qu'à pleine main, ils se lançaient mutuellement le beurre, sans compter. Leur richesse s'évaluait en lait, yaourt, beurre clarifié et nombre d'autres produits laitiers. En échangeant le produit de leur travail fermier, ils avaient acquis en abondance toutes sortes de joyaux, de parures et d'habits dispendieux. Non seulement possédaient-ils toutes ces richesses, mais ils pouvaient également les distribuer en des actes charitables, comme fit Nanda Maharaj. Ainsi, le père adoptif de Sri Krishna entreprit de satisfaire les désirs de tous ceux qui étaient présents. Il les reçut tous et leur fit charité de tout ce qu'ils désiraient. En ces temps, les brahmanas érudits, qui n'avaient d'autres sources de revenus, dépendaient entièrement pour leur subsistance des communautés Vaishya et Kshatriya. Lors de festivités, à l'occasion des naissances, des mariages, ils recevaient des dons en charité. En adorant Sri Vishnu, en s'efforçant de satisfaire toutes les personnes présentes, le seul désir de Nanda Maharaj était d'assurer le bonheur de son fils Krishna.
Il ignorait que cet enfant était la source, l'origine de Vishnu, qu'il implorait de le protéger. Rohini Devi, la mère de Balaram, était la plus fortunée des femmes de Vasudev. Bien que loin de son époux, elle s'habilla ce jour-là avec grande élégance pour féliciter Maharaj Nanda à l'occasion de la cérémonie célébrant la naissance de son fils Krishna. Portant une guirlande, un collier, de nombreux bijoux, elle fit son apparition sur les lieux et se fit voir ici et là. Selon les principes védiques, une femme dont le mari est absent ne doit pas se parer, mais Rohini en ce jour s'habilla somptueusement. Il est clair, à voir la pompe de la cérémonie célébrant la naissance de Krishna, que Vrindavan en ces temps était riche en tout point. Parce que Sri Krishna apparut à Vrindavan dans la maison du roi Ananda et de Yashoda Mata, la déesse de la fortune fut en quelque sorte contrainte d'y manifester son opulence. Il semble que Vrindavan était déjà devenu un site pour le divertissement de la déesse de la fortune. Après la cérémonie, Nanda Maharaj décida de se rendre à Mathura pour payer la taxe annuelle due au gouvernement de Kamsha. Avant son départ, il convoqua tous les anciens et leur demanda de veiller sur Vrindavan en son absence. Lorsque Nanda Maharaj fut à Mathura, Vasudev en reçut la nouvelle et se montra impatient de féliciter son ami pour la naissance du garçon. Immédiatement, ils sont rendus dans le lieu où séjournait Nanda Maharaj. En voyant ce dernier, Vasudev se sentit vivre à nouveau. Nanda, de son côté, envahi par la joie, se lève et étreint Vasudev, le reçoit chaudement et lui offre un siège confortable. Grande était l'impatience de Vasudev de recevoir des nouvelles de ses deux fils, qui, sans que Nanda le sache, avaient été placés sous sa protection. Grande également son inquiétude. Balaram et Krishna étaient tous deux ses fils. L'un, Balaram, transféré dans le sein de Rohini, épouse de Vasudev, mais gardé sous la protection de Nanda Maharaj. L'autre, Krishna, personnellement placé auprès de Yashoda et échangé avec sa fille. Nanda Maharaj savait que Balaram était le fils de Vasudev, mais ignorait totalement que Krishna l'était aussi. Vasudev, qui connaissait le secret, s'enquit vivement des deux enfants. « Oh, cher frère, dit-il à Nanda, tu avançais en âge et ton ardent désir d'avoir un fils restait insatisfait. Mais voilà que par la grâce du Seigneur, la fortune d'un bel enfant mâle t'a été accordée. C'est pour toi un événement très heureux. Cher, longtemps j'ai été prisonnier de Kamsha, mais aujourd'hui je suis libre. C'est pour moi une nouvelle naissance. J'avais perdu toute espérance de te revoir, mais par la miséricorde de Dieu, nous voilà réunis. » Puis, Vasudev exprima son inquiétude sur le sort de Krishna. Il avait été placé en secret sur le lit de Yashoda, et Nanda, avant de se rendre à Mathura, avait célébré avec grande pompe la cérémonie de sa naissance. C'est pourquoi, dans sa joie, Vasudev avait dit « C'est pour moi une nouvelle naissance ». Jamais, en effet, il n'avait espéré voir survivre Krishna, qu'il pensait devoir être tué comme ses autres fils par Kamsha. Vasudev poursuivit. « Oh, aimé, il nous est difficile de demeurer longtemps ensemble. Bien que nous soyons liés à notre famille, à nos proches, à nos fils et filles, les lois de la nature veulent le plus souvent que nous en vivions séparés. C'est que chaque être apparaît sur cette terre avec le désir d'actes intéressés. Comment ces actes s'accorderaient-ils? Les hommes s'assemblent, mais qui saurait garantir la durée de leur union? Chacun doit agir différemment selon ses désirs matériels, d'où vient qu'ils connaissent séparation d'avec amis et proches. Nombreuses sont les algues qui flottent sur les eaux bouillonnantes de l'océan. Parfois elles s'assemblent et parfois se dispersent à jamais. De même, unie, notre famille sera peut-être une source de joie, mais plus tard, secouée par les vagues du temps, elle devra connaître la séparation. » Par ces mots, Vasudev exprimait la douleur d'être séparé de ses huit fils nés du sein de Devaki.
Il ne pouvait même garder auprès de lui le seul qui ait survécu, Krishna. Vasudeva ressentait profondément la douleur d'en être séparé, mais ne pouvait le montrer au grand jour. Il poursuivit. « Parle-moi, je t'en prie, de Vrindavan. Tu y possèdes tant de bêtes. Sont-elles heureuses? Ont-elles herbe et eau en suffisance? Laisse-moi savoir, je t'en prie, si les lieux où tu résides sont paisibles. » Vasudeva, en posant cette question, voulait savoir si Krishna était sauf. Il savait que Kamsa et sa suite avaient entrepris de le tuer, envoyant vers lui toutes sortes d'êtres démoniaques. Ils avaient déjà décidé que tous les nouveau-nés venus au monde dans les 10 jours qui précédèrent et suivirent l'apparition de Krishna seraient massacrés. Rongé de soucis, Vasudeva veut être sûr qu'il ne court aucun danger au lieu où il réside. Il veut également savoir ce que deviennent Balaram et sa mère Rohini, confiées aux soins de Nanda Maharaj. Vasudeva rappelle aussi à Nanda que Balaram ignore l'identité de son véritable père. Il te connaît comme son père et maintenant, voilà que tu as un autre enfant, Krishna. Je crois que tu prends bien soin de tous deux. Que Vasudeva se soit également enquis du bien-être des animaux de Nanda est à remarquer. Le maître protégeait les animaux, et plus particulièrement les vaches, comme ses propres enfants. Vasudeva était un kshatriya, Nanda Maharaj un vaishya. Le devoir du kshatriya, c'est d'assurer toute protection aux citoyens, et celui du vaishya, de protéger la vache. Les vaches ont autant d'importance que les citoyens. On doit leur assurer une protection égale. Vasudeva dit également que le maintien des principes de la religion, l'essor économique et la satisfaction des sens dépendent du degré d'entraide au sein de l'humanité entre membres d'une famille ou d'une nation. Il relève donc du devoir de tous de veiller à ce que l'on ne porte pas préjudice au prochain et à la vache. Il faut s'assurer non seulement de la paix et du confort de son prochain, mais aussi de ceux des animaux. Alors, on obtient sans mal le développement des principes religieux, l'essor économique et la satisfaction des sens. Vasudeva exprima sa tristesse de ne pouvoir point protéger lui-même ses fils nés de Devaki. Il pensait que pour lui, les principes religieux, l'accumulation de biens, la satisfaction des sens s'en trouvaient à jamais perdus. Aux paroles de Vasudeva, Nanda Maharaj répondit « Mon cher Vasudeva, je connais ta grande peine d'avoir vu Kamsa, le roi cruel, massacrer tous tes fils nés de Devaki. Mais bien que ton dernier enfant ait été une fille, Kamsa ne put la tuer. Elle pénétra dans les planètes édéniques. Cher ami, ne t'afflige point. Notre destin à tous est déterminé par nos actes passés, dont le souvenir s'est maintenant effacé de notre mémoire. Chacun est soumis aux conséquences de ses actes passés. L'homme versé dans la science du karma, des actes et de leur suite, celui-là est homme de connaissance. Jamais il ne s'afflige de ce qui lui arrive, qu'il s'agisse d'un événement heureux ou malheureux. » Vasudeva reprit la parole. « Ô cher Nanda, si tu as payé le tribut de Kamsa, retourne chez toi bien vite, car j'ai le pressentiment que Gokul se trouve perturbé. » Après s'être ainsi amicalement entretenu avec Nanda Maharaj, Vasudeva s'en revint chez lui. Les pâtres menés par Nanda Maharaj, qui étaient venus à Mathura pour payer tribut, regagnèrent également leur foyer. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 5e chapitre du livre de Krishna intitulé « Nanda rencontre Vasudeva ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.